Christian, où on va? Bah, c'est pas très loin d'ici, on en a pour environ, qu'est-ce que je peux dire, environ une demi-heure. J'espère qu'ils vont pas trop loin, leur passe et je commence à avoir une petite faim. Ah, si tu te la fermais, t'auras peut-être moins faim. Oh, arrêtez de vous engueuler maintenant, sinon pas de bouffe ce soir. On en aura déjà pas pour midi. Eh, un week-end à la campagne, ça se fête, là, un peu de musique, ça nous ferait du bien, hein? Écoutez les barjots. J'écoutais quoi comme radio? Super Sky. C'est parti. Putain, c'est ça mince. On a de la chance, c'est des jeunes, c'est meilleur. Oui, et c'est plus facile à préparer. La peau est plus tendre. Comme ça, on peut la couper sans trop de problème. Et puis j'aurai pas besoin d'aiguiser le couteau. Donc pas de problème. De toute façon, tiseur de couteau, on en a rien à foutre. Exactement, c'est toi qui fais les cuisines, ça te regarde? Ouais. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été à la chasse? Beaucoup trop longtemps. En tous les cas, assez longtemps pour oublier ce que c'est que la bonne viande fraîche. Ah, on va enfin bouffer autre chose que des légumes. Ouais, mais les légumes, hein, c'est bon pour la santé. Ouais, puis la bonne femme, elle lui répond, c'est pas mes seins, c'est mes fesses. Allez, raconte-toi encore une autre. Attends. Oh merde, c'est pas le moment, allez, laisse, je vais aller voir ce qui se passe. Oh, tête la bagnole. Merde. C'est pas possible. Je vois ce qui se passe. Arrête. Laisse le chien, c'est bien. Personne qui veut me passer des objets ou bien? On a rien. Tu veux l'outil? On va pas le couteau, c'est tout ce que je connais. Bordel, il n'y a même pas un outil là. Dis-moi ce que tu trouves. Tiens. Tiens, prends ton laisse. Je vous regarde. On va se mettre où en fait pour ce pique-nique? Ouais, là-bas. Il n'y a pas une couverture, vous avez pris une couverture? C'est pas génial, dis donc. Ouais, ouais. Tiens. Tiens. Voilà. Ah merde, la radio. Hé, quoi? Je vais chercher la radio. Dis donc, tu prends mon château de passage, s'il te plaît? Ouais, ok. Ok. Thank you.
Qu'est-ce qu'il reste des derniers qui sont passés par là? Tiens! Il en reste pas grand chose, oui. Tenez, comme ça je serai plus à l'aise. Tu voulais me dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu vas me dire? Thank you.
entendu? Bah, c'est Emmanuel qui crie, on dirait. Ouais, il semble que c'est elle. Hein. Ouais, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Okay. Je viens avec vous? Non, non, laisse. C'est pas grave, je pense pas. Prends ton chien. Allez, viens, Fakir. Viens. Viens. Emmanuel! Viens! Emmanuel! Viens! Viens! Emmanuel! Emmanuel! Viens! Viens! Emmanuel! Viens! Emmanuel! Viens! Écoute, maintenant j'en ai marre de le chercher. Ils sont sans doute avec les autres. T'as raison. On va aller rejoindre les copains. Viens, Fakir. Viens. Ta liberté. Et je fais son compte. Ouais. Ramasse le couteau. Prends le couteau, je t'en sers aussi. Eh, ça fait un moment qu'ils sont partis la rechercher, Emmanuel et Christian. Puis si on partait à leur recherche. Hein? Ouais, de toute façon notre journée est gâchée, on reviendra un autre jour. Bah allez. Allez, on plie tout. On plie les affaires. Donne. C'est vachement bon. Donne. Ils ont encore pu passer ceux-là, tiens. Ouais, on met dans un trou. Franchement, il y a... Et qui c'est le con qui a pété la table? Ah, c'est pas moi, ça. Allez, assis. Oh, oh, il y a pas de trou. Quand tu veux, viens là-dedans. Venez, venez, venez. Venez, venez. Non, on va aller chercher. On va aller chercher maintenant. Ouais, alors, on y va. Vous allez par là? Ouais, on va par là, ok. Eh, il est tranquille ici. Oui, ça c'est vrai. Thank you.
Mais quel con! On ne se fait pas assez chier en cherchant les autres sans qu'ils fassent ces conneries à la con. Stéphane, c'est toi? Excuse-moi, je te prie plus, excuse. Peut-être si tu m'embrasses, je te pardonnerai. Bon, maintenant il faut qu'on y aille, on doit aller chercher les autres. Tu viens? Ils doivent pas être bien loin. Dans ce putain de forêt de merde là. Pierre! Emmanuel! Vous êtes où, bordel? Là, qu'est-ce qu'ils font là? Moi j'en sais rien, moi, il sera au carnaval avec ses masques. T'as vu comment ils nous parlent, cette espèce de petite saloperie? Fais gaffe, ils sont armés. C'est... Faites pas les cons, les gars. Oh merde. Oh, my God.
sinon je m'énerve. Attends, celle-là, on la laisse là, elle est crevée. C'est pas sur moi, faudrait pas que bosser, si même nous échappe. Allez là. Allez les gars, à la bouffe, on rentre. À la bouffe. Allez, prenez le chien. Désolé. Comment ça, désolé, petit connard ? Calmez-vous, on vous a dit qu'on était désolé. Paniquez pas, y'a pas de casse. Espèce de sale môme ! Démarre ! Oh, encore une ces putains de merde dans le fond ! Mais il nous narque, ce merdeux ! Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, regarde cette chier de môme, putain, mais crabouille-le! Il manque quelque chose. Il manque quoi? On est très bien ici. Hein? C'est un petit banc, quelque chose. Mais non, pas de banc, pas de banc, regarde, la nature. Non, mais tu vois, je puisse un peu me coucher. Tu comprends, là, contre l'arbre et tout, non? Non, moi j'aime bien ici. Tu veux pas? Puis avec toi, tous les endroits sont parfaits. Ah. Tu comprends? C'est que j'ai envie de toi. Ici, comme ça, maman? Ici, comme ça. Non, écoute, contre l'arbre. Contre l'arbre? Non. On est bien là, il n'y a personne. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a personne qui va venir, tu penses? Et même s'il y avait quelqu'un, je partirais. C'est excitant, partirais, hein? Ouais, j'adore ça. Même pas ce que... Ta peau est douce. Arrête-toi, je dois te pisser, je te pique les ronges. Déjà ? Arrête-toi ! Oh.
Oh, les deux tours taureaux. On veut bézeuiller sans moi? Écoute, connard, tu te tires. J'ai pas besoin d'aide. Alors, ma piquette, on s'énerve? Bon, maintenant tu vas embrasser ton petit copain. Non, 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 allez, vas-y maintenant! Putain! Vas-y! Non, ah! Arrête ton cirque! Embrasse-les! Non! T'ouvres la gorge, connasse! T'as mis du temps pour pisser. Ah, je mets toujours long à pisser, moi. Mais t'as pissé ou t'as fait autre chose, tu voudrais pas dire? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes la police? Allez, avance. Vraiment, on a entendu des cris de femmes, comme si on les violait. Ah, c'était rien. Non, mais on voulait... Tais-toi! Ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est ce gosse pendu comme un épouvantail. Je parie que ça t'a fait bander. Putain, j'avais le gourdin comme ça, que je t'aurais foutu dans son cul. J'aurais remué sa merde. Tant mieux, il y aura plus à manger. Alors, messieurs, on déménage? Non. On va voir d'autres horizons? Ah, vous avez bien raison de changer d'air. Mais on peut savoir où vous allez? Mademoiselle Martine, on déménage pas. Mais comment? Et quelle heure là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Réserve pour la Troisième Guerre mondiale. Ah, vous avez raison de faire des provisions. On ne sait pas ce qui nous attend ces jours-ci, hein. Vous avez bien raison. Je dois encore balayer, je dois encore faire ma cuisine, le repassage. Et puis je dois aller à l'hôpital, aller voir ma copine. Elle est tombée des escaliers. Elle s'est cassée une jambe en tombant des escaliers. C'est trop bête, hein. Enfin, au revoir. Je vous souhaite beaucoup de courage. Au revoir, mademoiselle Martine. Au revoir, travaillez bien. À la prochaine. Chercher les autres après, qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est bon pour moi, les mecs. Chouette. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? N'importe quoi, pourvu qu'elle souffre. Putain, les gars, hey, je vais la violer, les gars. Allons, Alfred, ce sont des invités de qualité. Il faut bien les accueillir. Allez, les gars, allez. Mettons la somme à table. Je suis pour Satan, je suis pour le Saint-Pouce, c'est beau corps.
J'aime la chair fraîche. Je vais répéter après. Tu verras, c'est très bon. Non. Maintenant, tu dois dire ce que tu t'ordonnes de dire. Allez. Je suis... Je sais pour le mal. Plus fort. Pour Satan. Oui. Je sais pour le sang. Oui. Non. Non. Allez, Arthur. Tu es vaillant. Oui, t'as raison. Je me corrais. Noir, comment on fait, nous? Regarde. Angela. Allez les gars. Si. Fais-moi une chaîne. Ah, on va chercher l'autre. Attends.
compliqué sinon. Oh putain, on vient s'échapper. J'ai payé pour la connerie que tu as faite. Regarde, c'est comme ça excitant. Putain, t'as ta gueule à faire un bouffer, connard. D'ailleurs, c'est là. C'est génial, ça. Oh, c'est bon. Par des gens civilisés. Les animaux, on ne doit pas les tuer. Sont nos égaux. Ah, ça fait plaisir à voir. Quand on pense qu'il y a les connards qui arrachent les cuisses de grenouilles pour les bouffer et qui les laissent crever. Mais on y fait en douceur, ça dure plus longtemps. Ah, j'ai très bien mangé aujourd'hui. Ah, moi aussi. Ah, y a rien au trou du cul, on va crever. Bon, les mecs, faut se manier. Ta gueule, sale putain! T'as vu sa gueule, là, mettez-vous le quartier! Mais vous ne vous dérangez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre service? Je passais par là en promenant mon bébé. Ça suffit. En promenant mon bébé. Et puis j'ai entendu du bruit. Alors je me suis demandé ce qui se passait et si ça venait de chez vous. J'avais entendu quelqu'un crier? Moi, personne. Non. Mais pourtant... Et qu'est-ce que c'est? Mais voyez bien, vous avez marqué. Ce sont les restes de notre enfant. Ah,
là comme il est mignon. Oh, il est joli, le lingot. C'est cool. On devrait lui chanter une belle chanson. Écoutez, de toute manière, c'est qu'un humain. Même s'il est mignon, ça reste un humain. Et alors, nous aussi, on est des humains. Qu'est-ce que tu racontes? On a l'apparence d'humains, on n'est pas des humains. Je sais pas pourquoi on a leur apparence. On n'est pas des humains, une fois pour toutes. Putain, j'ai cherché l'âge. Espèce de fou, je ne te tuerai pas, je ne veux pas faire la même chose que ce que tu as fait à mes amis. T'as rien compris? T'as tué tous mes amis et cette femme, j'ai même voulu tuer ce bébé. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres de Satan. Mais tu n'as rien compris, imbécile, de son qui a coulé aujourd'hui. Elle coulait pour la gloire du mal. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Mais où veux-tu aller? Je sais pas, pas de la police. Mais quand les flics viendront, ils vont jamais nous croire. Mais croire quoi? C'est pas si simple, ils vont jamais nous croire. Comment veux-tu expliquer à la police ce qui s'est réellement passé? C'est nous qui vont faire emprisonner. Peut-être que ces trois fous vont se rendre.
crazy.